Salut tout le monde, c'est DarkHero76 et nous nous retrouvons aujourd'hui sur la map de l'Ender Lab. Donc c'est un jeu casse-tête qui utilise les perles d'Enderman, car maintenant les perles d'Enderman nous permettent de nous téléporter là où elles sont lancées. J'ai fait quelques recherches et j'ai aussi vu que la téléportation en fait avait un coût, ça nous enlevait de la vie. Donc un peu utilisé quand on a quasiment plus de vie quoi. Allez, c'est parti. Donc ça commence par là, donc la map a été créée par un anglais. Ce qui explique pourquoi on comprend que dalle au panneau. Donc je vais essayer de faire une traduction approximative. Alors, bienvenue à l'Ender Lab. J'ai fait des recherches sur les perles d'Ender et j'ai créé quelques tests pour vous à essayer. Ici c'est un nouveau style de puzzle de Minecraft. J'espère que vous n'êtes pas mauvais. Donc, plus d'infos, on peut utiliser n'importe quelle texture pack qu'on veut. Bon, je l'ai pas pris parce que avec mon PC on n'aurait pas pu faire une vidéo. Peaceful mode. Ah, c'est où qu'on fait? Si on réapparaît dehors, essayez de trouver la big torche de la stone, la grosse torche de la stone. Ne pas détruire aucun bloc. Et on peut être. J'aime bien. Donc je sais pas si on entend bien pour vous, j'espère, je vais regarder. Voilà. Donc, c'est une machine qui nous vend des choses. Mettez de la bloc, un bloc de glace dedans. Enfin, sous le bloc de glace et appuyez sur le bouton. La map a l'air assez grande. Envoyez la perle d'Ender dans un univers. Ouais, voilà, regardez, ça m'a enlevé 2,5 coeurs. Ah ouais, si on le met dans le mur, on peut être déporté à l'extérieur. Là, c'est la zone où on a déjà été. Instantanée. Ah, on a des potions de vie. Ah, ça peut être assez utile justement quand on doit se dépêcher avec les perles d'Ender. Ah, donc ça c'est des splash potions, c'est les potions en fait on les envoie par terre. Elles nous dirigent alors que celle que j'ai récupérée la première, normalement on la voit donc ça va prendre du temps. Pas mal, on entend encore la musique. Et voilà, on récupère la vie. Je pense que là c'était inutile. Donc, de la TNT là. Ah, je savais pas qu'avec les panneaux on pouvait bloquer la lave. Pas mal. Aussi je voudrais remercier The Space Designer pour le background qu'ils nous ont fait. Merde. Comment? C'est très gentil de leur part et je le trouve excellent. Donc allez voir leur chaîne et tout, faites des demandes. Dernièrement.
bouton là, mais il faut déjà y aller. Oui, donc il va falloir faire vraiment gaffe à la vie et pas aller trop vite. Ah, et aussi on a des particules, non, on les voit plus, des particules d'ender tout autour de nous. Hack. Bouton inutile. Ah, je vois, je vois. Il y a, là, il y a de l'eau pour le contrôle. Alors, faut... Ah. Ok, donc ça va s'annoncer. C'est chaud. Time. J'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance. Je le reconnais. Special thing. Ah bah, on a vu d'avoir un choix à faire parce que... Là... Ouais. Bon. Test 3. Donc on a aussi des pommes d'or apparemment, ce qui nous permet de regagner de la vie même si notre barre de faim n'est pas complète. Bon là franchement ça ne nous intéresse pas parce que notre barre de faim sera toujours complète, mais ça peut aussi... Donc là. Ok, je vois le truc. On va faire gaffe. Donc, là, ouh la vache, ok, on a eu chaud. Hop, et là, ça nous met régénération pendant 4 secondes. Évidemment, c'était pas le bon truc. Je vais mettre. Là, les perles d'Ender aussi se font par par sel. Merde. J'ai l'impression qu'on se parle de moi. À votre avis, on se fout de moi là ou pas? Est-ce un bug? Heureusement, j'ai installé tous mes Nimtems, donc je ne l'utiliserai que dans ce cas-là, par exemple, où je n'ai plus une perle d'Ender, sinon ça servira à rien. Pourquoi ça ne veut pas fonctionner? Voilà, on a eu un petit bug. Alors, vous inquiétez pas, je prends juste les perles d'Ender. Si je les trouve. Ah oui, aussi, on peut faire spawner des slimes, des creepers, des zombies, araignées, tout ça, et des œufs. Exprès. Je n'en mets qu'une. J'espère ne pas récupérer. Ou pas. Sinon, pour vous, après. Ce n'est pas marrant. Mmh.
là, les codes de maille, c'est aussi des objets qu'on a. Possible à voir normalement. Bon, je garde mon skin de près de pédophile. C'est normalement impossible à voir vu que ça se craft en fait avec du feu. Donc, bah. Ah ouais, j'ai shooté de là. Ah non, ça va pas recommencer quand même. Assez concentré. Ah merde. Ok, donc ça me va, j'ai fait tout ça pour rien. Oui, comme je disais que c'était assez casse-tête, j'avais besoin de l'argent. Il n'a plus de faire un truc comme ça. Ouais, je suis mort. Bon. Et ben je vais vous rejoindre. Je vous rejoins là où on en était. Je reviens.